Seguro se juta padakamala se gurun vaishnavamscha sri rupam shagrajatam sahagana raghunatha nitam tam sajivam sadaitam sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitamscha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. You have Panchang today. The calendar, Goswami calendar. Today is the, there's some occasions there. It's tomorrow there's appearance of Karen now. Not today, nothing. Okay. Hare Krishna, Gaur Hari Bol. Gaur Hari, Gaur Hari, Gaur Hari, Gaur Hari. Sorry, we are a little late today. Something urgent came up. So when something urgent requirement comes up, need to give priority. Qu'on s'excuse, on est un petit peu en retard aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'urgent qui est arrivé. Et en général, quand il y a quelque chose d'urgent qui se passe, c'est ça qui devient la nouvelle priorité. Okay, to my pleasure, I'd like to hear from Maharaj first. À mon grand plaisir, je vais donner la parole à Maharaj d'abord. Om Gana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur miritam jena taisme shigurave namaha. Je présente mon humble hommage à Srila Bhaktinandan Maharaj, à mes maîtres spirituels, Srila Bodhayan Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à mon très cher Shiksha Guru et Sauveur, Srila Abhayishnanda Bhaktivinoda Swami Prabhupada, à mon Shiksha Guru révéré Srila Bhaktilachaka Srila Dev Goswami Maharaj, ainsi qu'au Senapati Bhakta Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, Srila Gokishodva Bhaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, et toute notre glorieuse filiation spirituelle, et aussi tous les Vaishnavas et
au saint. Je rends mes humbles hommages à cette assemblée de dévots et souhaite la bienvenue à Jagannath Swami, qu'on se connaît depuis longtemps, on est amis. Et je suis heureux de vous voir. Nous avons besoin, pour progresser, d'acquérir des qualités, et notamment l'humilité. C'est très important de comprendre que sans l'humilité, nous ne pouvons pas avoir un contact avec le monde supérieur. Que nous sommes plongés dans l'ignorance parce que nous pensons que nous sommes grands, puissants. Mais finalement, quelle puissance nous avons ? Seulement de nous battre constamment contre notre mental, contre les autres êtres vivants qui se pensent puissants. Quand l'humilité vient dans notre vie, alors on peut voir que il y a un monde supérieur et que ce monde supérieur, il est autour de nous. Il y a une vérité qu'on appelle le Seigneur, qu'on appelle Paramatma, Brahman, Bhagavan, Krishna, différents noms, et qui habite le cœur de tous les êtres et qui accompagne tous les êtres. Mais dû à l'orgueil, parce qu'on veut être en première position, alors on est aveugle. Quand l'humilité vient et qu'on prend assistance de cette grande personnalité, alors elle apparaît dans notre vie, dans notre cœur. Et on peut comprendre à quel point elle contrôle tout et qu'elle nous donne le fruit de nos actes. Lorsqu'on voit cela, alors on peut apprécier cette personne qui est plein d'amour et qui guide tous les êtres vivants. Et on peut comprendre qu'elle s'adresse aux êtres vivants sous différents langages et sous différentes formes, selon leurs qualifications, selon leur langage, selon le lieu, le temps et les circonstances. Parfois, elle s'adresse pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les hindous. Mais c'est cette même personne. Mais parce que nous avons un désir de pouvoir, alors nous faisons des séparations. Nous sommes meilleurs, nous les hindous, que les chrétiens. Nous sommes meilleurs, nous les musulmans, que les bouddhistes, etc. Mais c'est juste des guerres de pouvoir, parce qu'il n'y a pas assez d'humilité. Quand l'humilité est pleine, alors on peut comprendre qu'on est différent du corps. Et on peut être complètement en paix. Parce qu'on n'a plus d'intérêt dans le faux monde. Mais notre intérêt, il est dans l'éternité, dans la connaissance et dans la félicité. À partir de là, on voit l'environnement toujours comme favorable. On arrête de se battre contre l'environnement. Tous les êtres, alors, deviennent nos gourous. On peut apprendre de tous les êtres. C'est tellement une vie agréable. C'est la paix. Tout le monde cherche la paix. C'est pourquoi l'association avec les saints, elle doit être recherchée, pas pour appartenir à une institution et s'identifier à un tissu. Mais elle doit être recherchée pour sortir de l'identification, pour aller vers la paix. Sans ça, tout sera gâché. Si nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres, tout sera gâché. Et malheureusement, tous les conflits religieux, institutionnels, viennent dus à un manque d'humilité, de pureté. Sans ça, il n'y aurait pas de conflit. On serait simplement habité par une belle étiquette de vie. Je suis plus humble que toi. Je suis plus déchu, par exemple, que toi, parce que dire plus humble, c'est gros faux égo. Mais je suis plus déchu que toi. Tu es plus élevé que moi.
Comment vous voulez avoir de la guerre quand vous pensez que quelqu'un est supérieur à vous? Le seul problème, c'est l'ego. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on ne peut pas aimer notre voisin, qu'on ne peut pas apprécier les autres. On ne peut pas les comprendre. Parce que quand on devient humble, on reçoit l'aide du Seigneur. Il nous explique lui-même comment il le réciproque avec tous les êtres. S'il y a une véritable connexion divine, comment on ne pourrait pas apprécier les autres? Comment on pourrait discréditer les autres? Comment on pourrait penser qu'on est supérieur, puisque c'est ce même Seigneur qui est derrière toute chose? En fait, quand je critique un chrétien, je critique un musulman, je critique un être tel qu'il soit, je critique le Seigneur suprême. Même quand je critique un athée, je critique le Seigneur suprême. Parce que la vision qu'on reçoit, c'est lui qui la donne. Il est la suprême liberté. Il donne la liberté à tous les êtres. Donc on devrait pouvoir comprendre toutes les situations et les accepter. Et voir la vérité. Ça serait tellement plus simple. C'est pourquoi un lieu où on adore le Seigneur, ça devrait être une terre de libération. Et pas une terre où on apprend à discréditer les autres. Nous avons que la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Et les autres, en enfer. Mais vous savez, moi j'ai été frappé à différentes portes. Et même la porte qu'aujourd'hui on vit, le vaishnavisme, j'ai vu tellement de fanatisme. J'ai vu tellement de gens qui pensaient qu'il y avait la vérité. Et au lieu de développer l'amour, ils développaient la haine. Ça prend beaucoup de temps de sortir de cette tricherie. Parce que quand on critique les autres, finalement, on s'élit soi-même comme supérieur. Vous avez jamais remarqué? Ouais, lui, il a vraiment un problème. Mais moi, je suis super. La critique, c'est simplement pour s'élever. Par contre, quand on est sincère, on voit des défauts en nous. Et on voit des qualités chez les autres. Alors, c'est pas facile. Mais c'est une véritable vie de construction, d'amour. De pouvoir apprendre des autres. Alors, je ne vais pas parler longtemps, parce qu'on n'est pas très en avance pour le programme. Mais je voulais vous partager mon cœur, que voilà, la guerre ne m'intéresse plus. La politique, ça ne m'intéresse pas. On a voyagé des vies et des vies dans ce monde à faire que ça. Maintenant, moi, je veux redevenir juste un enfant. C'est tout. First of all, I offer my most respectful obeisance unto the lotus feet of His Divine Grace, Srila Bhakti Rakshak Siddharadeva Goswami Maharaj, my Gurudeva. Tout d'abord, je rends mes humbles et respectueux hommages aux pieds paris de lotus de mon maître spirituel, Srila Bhakti Rakshak Siddharadeva Goswami Maharaj. As none different from Him, offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of His Divine Grace Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, my great glorious oneness, Guru. Je rends aussi, comme étant non différent de lui, je rends mes humbles hommages au pied paris de lotus de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mon Guru de Sannyas. And to finally to the Param Gurudev, to the holy lotus feet of Param Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Offering my prostrated obeisance unto Him, I pray for the causeless mercy for all of them be bestowed on me, on all of you. Et enfin, j'offre mes plus respectueux hommages
au pied par les lotus de notre Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et je prie, je demande que leur miséricorde sans limite, que nous puissions recevoir leur miséricorde qui ne connaît pas de limite. All glories to all the Vaishnavas, all the pure devotees of the Supreme Lord. I offer my loving regards to Srimad Bhakti Chandan Jyoti Swami Maharaj. Also my all well wishes, affectionate regards for all of you, good souls sitting here. Toute gloire aux Vaishnav et toute gloire aux purs dévots du Seigneur. Je rends mes hommages aussi à Bhakti Chandan Yati Maharaj et j'offre mon affection aimante à toutes les belles âmes présentes ici aujourd'hui. All glories to all Guru Bhargo, all the lovers of the Supreme God, devotees of the Supreme God. Toute gloire à notre Guru Varga, notre filiation spirituelle, et à tous les dévots du Seigneur suprême. It's needless to mention, specifically, I truly appreciate all of your sweet presence in this assembly of Hari Katha, Krishna Katha. Il est inutile de mentionner que, évidemment, je suis extrêmement reconnaissant et extrêmement heureux d'avoir votre association pour cette Harikatha, cette discussion sur le Seigneur suprême. What Maharaj has just spoken about principle of anukullasa sankalpa pratikulla vivarjana. They need to be properly followed. The essential spiritual principles as acceptance of anything favorable and rejection of anything unfavorable to Lord's interest. So he was just speaking about that mainly. Okay. He was throwing some light on rejection, on the need of rejecting the things unfavorable to Lord's interest. Ce dont a parlé Bhakti Chandanati Maharaj est extrêmement important. Il s'agit de deux principes. Accepter ce qui est favorable pour notre progression spirituelle et ce qui est dans l'intérêt du Seigneur, et rejeter ce qui est défavorable. You know the process of elimination and acceptance everywhere, more or less. We also find that in spiritual world, in order to embrace something more valuable, more important in our life, we need to make some space by eliminating other stuffs considered like garbage, occupying our space of life. Because of them, no space for accepting good things, things which are really favorable to spiritual life. So therefore, rejection of the stops unfavorable to the life of devotion to Krishna is advised in order to make progress for positive acceptance of the favorable things in Krishna consciousness. Nous connaissons tous ce principe d'accepter certaines choses et d'en rejeter d'autres. C'est un principe qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Et elle s'applique aussi à la voie spirituelle, à la vie spirituelle. C'est l'idée afin de faire de la place et de pouvoir accueillir des nouvelles choses dans notre vie, des choses plus positives, il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif, parce que ça prend trop de place, et pour pouvoir accepter de nouvelles choses dans notre vie, il faut en rejeter d'autres. Et il y a ce principe-là qui s'est expliqué qu'il est extrêmement important, spécialement dans la vie spirituelle. That's why in the very beginning of the definition of Sharanagati, it is stated in the verse Anukullasa Sankalpa and Pratikulla Vivarjana, that your determination
should be to accept everything, anything, everything favorable to Krishna's service and reject everything unfavorable to Lord's service, devotional service. Because if there is no proper rejection of the unfavorable stuffs, we cannot make progress. Liberation from the anartha, unwanted, undesirable things, evil things in our life is required in the first place. Donc c'est expliqué en sanskrit, c'est ce qu'on appelle Sharanagati, c'est le processus de l'abandon au Seigneur suprême. Et parmi les premières choses pour obtenir ce Sharanagati, il y a ces deux aspects: abandonner tout ce qui est défavorable pour le service de dévotion, pour notre progrès spirituel, et accepter tout ce qui est favorable. Et donc c'est un principe très simple qu'on peut tous comprendre, puisque pour accepter de nouvelles choses, il faut d'abord faire de la place et se débarrasser de tout ce qui nous entraîne vers le bas, de tout ce qui est négatif, tout ce qui est comme une barrière, toutes ces mauvaises choses. Et c'est ce qu'on appelle en sanskrit anartha. For further example, like in order to have a healthy life, proper health, we need to follow two ways. One is treating our sickness, if we have any. In order to promote our health, it is required to treat our sickness. And on the other hand, providing the positive, nutritious things for the growth of the health. So both are required. Both ways are required. Giving some nutritious food, nutritious things to promote our health in a positive way. At the same time, take care of that side. If I have any sickness, it should be treated. Then only one can be properly healthy. But if it is so, you are only supplying some nutritious foods, giving nutritious foods for you to eat and something, okay, trying to take care of your health with only positive things, but neglecting the side of your sickness, not doing anything to make the treatment of the sickness, then you will never be properly healthy. Un bon exemple pour expliquer et comprendre ces deux processus qui sont complémentaires, c'est l'exemple de notre corps. Si on veut être en bonne santé, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est de soigner des maladies si on en a. Et la seconde, c'est d'apporter des choses positives au corps, d'apporter une bonne nutrition, avoir une vie saine. Mais si on fait qu'un seul de ces aspects, par exemple, si on fait attention à tout ce que l'on mange, à notre façon de vivre, mais qu'on ne prend pas soin des maladies qu'on a en ce moment, notre corps il sera jamais en bonne santé. Donc il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect où il faut rejeter tout ce qui est négatif, il faut s'occuper de tout ce qui est indésirable, et l'autre aspect, c'est qu'il faut ajouter, il faut accueillir tout ce qui est positif. So, pure spirituality, in other words, our humility, I would say intelligent humility, positive humility, without any negative weakness. Principles like non-violence, kindness and compassion, doing proper justice about others, making mind and heart free of spirit of exploitation and enviousness, and on the other hand, filling all our activities to do good to others while doing good to my own self in relation to supreme divine good of life, Krishna consciousness, being generous, powerful, at the same time, gentleman, and over and above, being lovingly surrendered, devoted, to please our Supreme Lord. These are the essential qualifications to make advancement in spiritual life.
Il y a certaines qualités qui sont essentielles pour avancer spirituellement. Parmi elles, il y a la compassion, la justice et l'humilité. Mais l'humilité, par exemple, ça doit être une humilité intelligente et pas quelque chose qui nous apporte des choses négatives, pas quelque chose qui nous tire vers le bas, mais quelque chose de vraiment positif et de vraiment constructif. Il faut aussi faire le bien autour de nous, faire du bien pour nous et faire du bien autour de nous, avec comme objectif, comme compas, comme guide, le service d'amour envers le Seigneur suprême. Tout faire dans notre vie pour lui faire plaisir et pour que ça lui apporte de la satisfaction. Anukulla shashankalpa pratikulla vivarjanam then rakshishatiti vishasu guptritte varanam tata. Devotee's heart should be filled with the faith, that kind of faith, confidence. As long as I am a sincere devotee, I may have limited ability, but still with all limited small ability I am sincere to be a devotee of Lord, sincerely trying at least, utmost, to be devotee of Lord and accept His shelter. Rakshishatiti vishasu. And also acceptance of the Lord that He is my maintainer, nurturer, caretaking, great caretaker, nurturer in the form of my loving guardian. So I am completely secured and protected, being under His shelter. Then that is called mode of Sharanagati, when we have all this. Ensuite, ce qui suit ces deux aspects, c'est un sentiment profond et une foi profonde dans le fait que le Seigneur, puisque si je m'adresse à lui en tant qu'un dévot et si je suis très sincère dans ma démarche envers lui, tant que j'aurai cette sincérité, même si par mes actes parfois je ne suis pas vraiment qualifié ou même si j'ai des lacunes, si j'ai cette sincérité en moi, le Seigneur, il va être mon soutien et il va être mon protecteur, il va être mon gardien aimant. Et c'est en ayant ces quatre choses qu'on a citées jusque-là, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir ce Sharanagati, ce sentiment d'abandon envers le Seigneur suprême. And following all these limbs, okay, following all these, principally, finally, with offerings of your loving service to the Lord, offering your own self in the loving service of the Lord, that is a guiding principle. If you do not have the mood of offering yourself for the loving service to the Lord, then all other such things will never come properly, will not naturally come. So that is the guiding principle. Le principe qui nous guide dans ce Sharanagati, dans ce chemin de l'abandon au Seigneur, pour pouvoir accueillir ces qualités en nous, c'est le sentiment d'offrir toutes nos activités pour le Seigneur suprême. Si on n'a pas cet état d'esprit, alors il va être extrêmement difficile d'accueillir ces qualités en nous. In the spiritual world, offering one's own self in love of God, great love to the service of Lord, and also acceptance, also having the mood of accepting reciprocation of the Lord in return of your offering yourself, surrender. Very, very important in the spiritual world. If there is no mood of devotional offering, we can hardly make any progress through any kind of ascending method or calculative spiritual practices.
Like if I do this way, energetically engage in this sort of yogic activity, this and that, I will be achieving this. Okay. So, no real progress happens without loving surrender, offering oneself in love to the service of Lord. Et pour acquérir ne serait-ce qu'un simple progrès dans cette voie spirituelle et dans tout chemin spirituel, même dans les chemins yogiques, il faut avoir ce sentiment, ce mood d'offrande aimante envers le Seigneur suprême. Il faut avoir ce sentiment de s'offrir soi-même de façon aimante envers le Seigneur suprême. Et si on n'a pas cette attitude-là, il va être extrêmement difficile d'acquérir un quelconque progrès dans une voie spirituelle. Because the fact is, by our own limited efforts, we can achieve some siddhis, accumulate some spiritual merits, this and that, but they remain very limited. Until we receive the support of the grace of the Lord, okay, we cannot have the first class, the true spiritual treasure in life, spiritual advancement, because the nature of the efforts we can make on our own, very limited. It can take us only to some limited extent, not beyond. But if we want to receive the, attain the goal of highest fulfillment of life, absorbed, tasting the supreme bliss, blissful relationship with the Supreme Lord, then of course we have to build up that love relationship with the Lord through devotional service in the mood of devotion offering. Si on n'a pas cette attitude envers le Seigneur suprême et qu'on essaie par nos propres efforts d'acquérir quelque chose, on pourra obtenir certains bienfaits. Par exemple, grâce à certaines pratiques yogiques, on pourra obtenir ce qu'on appelle des siddhis, donc c'est des pouvoirs yogiques, mais ce sera quelque chose de très limité, on ne pourra pas aller au-delà de ça. Et c'est à partir du moment où on a cette dynamique envers le Seigneur suprême, de s'offrir entièrement à lui de façon aimante, qu'il va pouvoir nous donner sa miséricorde, et à ce moment-là, on va pouvoir recevoir le plus grand trésor spirituel qui soit. C'est le trésor d'avoir une vie emplie de satisfaction spirituelle. Donc c'est un aspect vraiment extrêmement important d'être prêt à s'offrir au Seigneur suprême de façon aimante et d'être prêt à le recevoir aussi pour qu'il vienne dans notre vie. Whereas, because our ability is limited, Lord's, the power of Lord's grace is huge. When we receive some support, help from the grace of the Lord by attracting His attention, care, through the power of our love for Him, then we can achieve something big. Because it's directly granted by the blessings of the Lord, unlimited. But through our own limited ability, achievement becomes very futile compared to that. Puisque notre capacité à agir et nos qualités sont extrêmement limitées, il sera difficile d'obtenir de grandes choses dans cette vie. Mais puisque le Seigneur, il est le Seigneur suprême, il a une puissance suprême et infinie, donc quand il nous donnera sa miséricorde, à ce moment-là, on pourra acquérir quelque chose de vraiment bien supérieur à tout cela. This is the fact. Therefore, this is the fact. Therefore, the final and ultimate way to attain the Supreme Lord, to win His attention, have relationship with Him, is bhakti yoga. Is bhakti yoga. And all our karma yoga, path of karma yoga, that of activities, path of jnana yoga, that of intelligence, cultivation of knowledge, or some yogic activities, all must be combined, like helping, there should be helping hands
to promote bhakti yoga, cultivate the bhakti yoga, principle of ecstatic, path of ecstatic love of God, loving service to God, then all become validated. All those karma yoga, jnana yoga, yoga yoga, all become validated by the potency of bhakti yoga, finds their supreme utility, ultimately, to bring that sadhaka, that devotee, to help him reach highest goal of fulfillment. Donc c'est pour ça que le moyen ultime d'atteindre le Seigneur suprême, de développer une relation avec lui, d'attirer son attention et de développer des sentiments envers lui, c'est ce qu'on appelle le bhakti yoga. C'est la voie du service d'amour envers le Seigneur suprême. Parce que si seulement on poursuit la voie du karma yoga, donc la voie de l'action intéressée, ou la voie du jnana yoga, la voie de la cultivation intellectuelle, on ne pourra pas arriver à un résultat entier, plein, puisque c'est basé seulement sur nos efforts. Mais si on se tourne vers le Seigneur suprême et qu'on a cette attitude d'abandon envers lui, alors toutes ces voies, la voie du karma, de l'action, la voie du gyan, de la connaissance, ils seront validés et ils pourront nous aider à progresser encore plus dans cette voie ultime qui est la voie de la voie du bhakti yoga, la voie du développement de sentiments envers le Seigneur suprême. Any query related or unrelated to the topics? Est-ce qu'il y a des questions reliées ou non à ce sujet? Related or unrelated to the topics we are discussing? Elles peuvent être reliées à ce sujet ou pas, c'est pas grave. Or we can chant, we can sing some devotional songs. Already late. Si vous voulez, on peut chanter des chants dévotionnels aussi, puisqu'il est déjà un petit peu tard. It would be wonderful to engage in tasting. Tasting this mellows, I mean, nectar of devotional songs. Its mood, okay, its inner feelings. Songs of devotions, very important in life. Very, very important. Je dis que c'est très intéressant et très bénéfique de chanter des chants dévotionnels et de se plonger dans les sentiments aimants envers le Seigneur suprême qui peuvent véhiculer. There's a verse of Bhagavatam about surrendering. Would you like to comment on it if you want to read it and comment on it? Can I read it to you? Okay. Donc c'est Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 14, verset 8. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Mon cher Seigneur, celui qui attend avec pas avec impatience du coup, mais avec impatience. Bah non, justement, parce que c'est avec patience. Yes, sophisticated French. Celui qui attend avec earnestly. Ouais. Sauve-moi, Rasabiri. On a besoin d'un sauveur. Ouais. Désolé. Mon cher Seigneur, celui qui étend ses mains attend que tu lui partages ta miséricorde sans cause à lui, tout en même temps avec patience, souffrant les réactions de ses activités passées, de ses erreurs passées, et t'offrant ses humbles hommages avec son cœur, ses mots et son corps, est définitivement éligible pour la libération parce que c'est devenu son droit. C'est devenu son droit. So what's your question in if you could comment on this verse?
It's a wonderful verse. C'est un merveilleux verset, si vous voulez que je fasse un commentaire. Extrêmement merveilleux. Almost a life-giving verse. Fills our heart and life with so much immortal hope. In relation to the mercy of Supreme Lord. So most wonderful, most, it's like shelter giving verse in life. And whatever described through this verse, in other words, the each and every word of this verse is truth. Is truth. Such is the glory of the mercy of the Lord. Basically, this is a verse glorifying of the mercy, causeless mercy of the Lord, His merciful character, merciful nature. And also telling us, no matter what turmoil of life you pass through or you have passed through, no matter what bad things happen in your life in the past or even at the present moment, don't care. Still, you find the solution. You have all solution. You have all solutions and great protections from the mercy of the Lord. As long as you have faith in Him, you faithfully surrender unto Him, faithfully accept shelter under His divine guardianship, accepting Him or her as your beloved Lord, engaging, offering yourself in His service, you know your life is saved. Because in reciprocation you will be receiving causeless mercy from the Lord. Okay? While you try to do anything, try to make any endeavor of offering yourself in the service to Him, submitting yourself to Him, accepting His shelter with faith and prayer, you will be definitely receiving the help, merciful help from Him. You will stay protected, secured. You will be completely safe, and you will be nurturing and blossoming under the shelter of His divine mercy. There's no doubt about this. Okay, your life will be fulfilled still. So, be fearless, be worry-free, be fearless no matter how much sinful actions, reactions you got involved with, how much sinful karma you have got in your life, what bad environment, bad things, you had to experience in your life, turmoil, you had to pass through turmoil of life, still there's so much hope. There's so much solution, divine solutions. Okay, with all immortal divine hopes in your life, in truth, in reality, when you just make any endeavor to take shelter of the Lord, and He reciprocates with you, causelessly merciful way. Sorry. You heard, you can, if no, you, yes, you I find, can you? Sure, yes. Just you. I can if you. You just accepted, you understood the essence of that synopsis and explain in your own language. C'est un verset merveilleux, parce que chacun, tout d'abord parce que chacun des mots
dans ce verset, ils sont vrais, ils sont réels. Et c'est un verset qui parle de la miséricorde du Seigneur suprême, de sa miséricorde sans limite. Donc c'est expliqué que peu importe les mauvaises réactions qu'on a pu créer dans notre vie passée, et dans nos vies passées et dans cette vie en ce moment, peu importe le mauvais karma qu'on a accumulé, peu importe les problèmes qu'on a pu encourir avant ou les problèmes dans lesquels on est situé maintenant, peu importe notre situation actuelle, même si elle est extrêmement défavorable, si elle est extrêmement douloureuse, si on se tourne vers ce Seigneur suprême, et avec ce sentiment de dévotion, à l'instant même on se tourne vers lui, puisqu'il a un aspect de miséricorde infini, il va prendre soin de nous, il va devenir notre gardien aimant, et il va pouvoir nous permettre de nous épanouir, il va nous nourrir, et il va nous garder près de lui. Et tout ça, grâce à son aspect de miséricorde, qui nous donne un espoir immortel. Donc peu importe, encore une fois, peu importe les actions que vous avez pu faire avant, peu importe la situation actuelle, si vous tournez vers ce Seigneur suprême, puisque c'est le Seigneur suprême, il prendra en charge votre vie et il pourra vous apporter le plus grand bien dans votre vie, peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Again, read out the translation. English translation. Read out one more time. And the French? English. It's 10:14:8. Prayers of Brahma. Out loud. Read out loud. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful place. I think the verse starts with tattenu. This is tattvenu kampang susamikshamana. This one. Yes. Tattvenu kampang susamikshamana. Yes. Bhanjano evatma kritang vipakam. Hridbhagvapu vir vidadhan namaste. Jiveto jo mukti pade. Sarvabhauma Pandit said, Bhakti Padesha Dhyo Bhak. Beautiful, wonderful. Ça, c'est la version sanskrit du verset. Oh, it is such a taste. Il y a un tel goût dans ce verset. Incroyable. Mon cher Seigneur, celui qui intensément attend pour que tu lui partages ta miséricorde sans cause sur lui, tout en même temps, patiemment souffrant les réactions de ses erreurs passées, et t'offrant ses respectueux hommages avec son cœur, ses mots et son corps, est définitivement éligible pour la libération parce que c'est devenu son réel droit. Passing through a tough test of life. When everything in our spiritual life just flowing happily, happy-go-lucky, then it is easier to relate to the mercy of the Lord. Continue. But while things are not going okay, well, while we are faced with experiencing it, like turmoil in our life, whether mundane life or spiritual life, passing through the experience of turmoil, okay, in our life, still not losing faith in the merciful protection of the Lord, feeling that it is a tough test appearing in my life to see whether I can become elite commando or not. Okay, if I can pass through this test, then still if I can pass through what is that test? That still whether I am able to maintain my unflinching faith in Lord, okay, unswerving, firm faith in Lord's protection, merciful protection, that it will come. Lord's merciful protection will appear at some point. It might be His testing, a tough test. I need to pass through.
He wants to make me powerful, like elite commando, through such taste. Then, at some point, then that person, that devotee, is considered fit, eligible, qualified, okay, to ultimately be blessed, okay, with all mercy and protection of the God, merciful protection of the God, because he never lost faith in Lord. That's his. Okay, that's his great quality. On the face of danger, on the face of so much challenge, oh, there is no Lord. Where is God? He's not protecting me. Okay, how can I have faith on that face of that challenge of like almost losing faith? Still maintains firm faith, knowing this is a test, big test I must pass through. Then that person is considered really eligible, qualified to receive the power of the grace of the Lord, mercy of the Lord. Lord becomes sold out to that kind of devotee. Donc parfois dans notre vie spirituelle, on peut avoir des situations difficiles qui nous arrivent, ce qu'on appelle des tests. Parce que quand tout va bien dans notre vie spirituelle, quand tout va bien dans notre vie, que c'est un flot paisible, c'est vraiment facile d'avoir foi dans cette miséricorde du Seigneur suprême, parce que tout va bien. Mais quand des tests apparaissent dans notre vie, quand ça devient extrêmement difficile dans notre vie spirituelle, c'est à ce moment-là en fait que ça se décide. Si on garde une foi indéfectible envers le Seigneur suprême, si on se rend compte, non, ça, ce qui m'arrive, c'est un test, et qu'on ne perd pas notre foi, qu'on n'accuse pas le Seigneur suprême, qu'on perde la foi dans sa protection, à ce moment-là, on va pouvoir recevoir l'entière miséricorde du Seigneur suprême. Parce que quand il fait ça, il envoie ça spécialement pour ses dévots, pour les personnes qui sont dans une voie spirituelle, pour, comme dit Maharaj, pour voir s'ils peuvent devenir des commandos d'élite. Et à partir du moment où ils passent ce test, là, ils deviennent vraiment éligibles, pleinement éligibles, pour recevoir l'entière miséricorde du Seigneur suprême et un goût vraiment supérieur. You also passed through the test of explaining the whole thing long, but okay. Go very well. Quality of dedication, devotion, firm, devoted faith in Lord is tested through this. And then Lord becomes so much. It's like almost that kind of devotee can win the heart of the Lord. Such a loyal devotee. In the face of the experience of no help coming from me, still having firm faith in me, never losing faith in me, how can I ignore such a devotee? Wins the heart of the Lord. Lord comes forward, full protection and embracing. Pass through test. Donc si une personne elle est dans cette situation-là, mais qu'elle garde cette foi indéfectible envers le Seigneur suprême, le Seigneur il va se dire, je ne donne plus d'aide à mon dévot, mais pourtant il continue de me parler, il continue d'avoir cette foi immense envers moi. Seigneur suprême, il devient complètement vendu, il devient complètement le dévot, il peut acquérir le Seigneur suprême comme ça. Parce que le Seigneur, quand il voit ça, quand il voit que même s'il apporte plus son aide momentanément à son dévot, que son dévot, il continue de relationner avec lui, d'avoir une foi indéfectible envers lui, le Seigneur, il peut pas faire autre chose que de courir vers ce dévot. Parce que il se dit, mais il fait de tels efforts, il a une telle dévotion envers moi, comment je pourrais ne pas le regarder? Comment je pourrais le rejeter? Et c'est à ce moment-là, quand le dévot il passe ce test, que le Seigneur il court et il le prend dans ses bras. Good. This time he spoke with illuminescence. Very nice. Who spoke this verse? No other than Brahmaji, our guru. Qui a énoncé ce verset? C'est nul autre que Brahma, qui est notre guru à tous. It's okay. We have to
Maybe we can stop here now. Sing some songs, devotional songs. Chanter des chants dévotionnels. With devotional mood. Time for Arati. Oh, yeah. For Arati directly. In 2 minutes, yes. All right. Two, three. Ouais. Okay, we can sing one song before it. Radhe Govinda, Radhe Govinda.